Bon, la dernière vidéo, c'est que mon père, le créateur, voulait que j'aille vivre. Il voulait que. C'est moi qui ai demandé d'aller vivre avec les extraterrestres. Donc, eux sont venus me chercher. Puis ils m'ont emmené avec eux autres. Mais quand on va chez les extraterrestres, il faut savoir qu'on fait pas son monde, on doit passer par la torture. Puis déjà, j'avais été dans leur monde, puis j'avais des dettes envers eux. Donc, j'ai passé la torture à peu près 20 fois la crucifixion. Non, pas 20 fois, 1000 fois la crucifixion du Christ. Ils nous démontrent tout en morceaux, puis après ça, ils nous remontent. Après ça, ils m'ont fait une chirurgie. 3 fois, mais en bas, il y avait des anges, des esprits qui mettaient de l'acide sur moi, qui font pour brûler les extraterrestres. Donc, j'ai payé 3 fois la chirurgie. Après ça, je suis revenu ici. J'ai créé des mondes pour eux. Ils ont un dieu là-bas. Ça n'a rien à voir avec le président de la France. Il s'appelle Macron. Macron, mais il y a des chefs. C'est leur dieu à eux. Alors, là-bas, les hommes, ils les appellent les Tanatanais. Puis les femmes, ils appellent les Googies. Donc, moi, je suis devenu une Googie. Mais il y a des psychiatres là-bas pour savoir que je deviens une première. Puis ils m'ont rapistolé ça comme il faut. Ils font des belles choses. Ils ont un son, on dit. Ils ont des hôpitaux très, très avancés. Des salles de chirurgie. C'est plus avancé que les hôpitaux ici. Ça ressemble, mais c'est plus avancé. Puis ils sont comme des humains parce que j'avais donné la formule. Il y a l'esprit et il y a la chair, puis entre les deux, il y a la collagène Diogène, qui est l'esprit de Dieu. Mais en avant l'esprit de Dieu, on pouvait mettre l'esprit extraterrestre pour remplacer. Puis avec ça, ils ont réussi à se régénérer, parce qu'avant, après un enfer, ils ne peuvent pas en faire plus. Mais avec ça, ils peuvent faire plus d'enfers comme ici, on peut en faire plusieurs. Donc, ils ont refait tout leur visage, ils sont comme des humains maintenant. Ils ne sont plus des monstres comme les gens les voient. Par contre, quand ils sont dans d'autres dimensions, ils peuvent avoir le transfert des dimensions qui peuvent déformer des fois ça demande des traductions d'une dimension à l'autre pour être capable de voir les vraies images d'une dimension à l'autre. Mais après, j'ai vécu dans leur monde. Oui, j'ai eu des relations avec les extraterrestres. Oui, ils m'ont drogué, des drogues pour le plaisir aussi. Donc, j'ai eu. Et finalement, après, je suis revenu ici. Mais j'ai su que les antécédents du Christ, que je n'ai pas le droit de révéler, mais au début, le Christ était un extraterrestre. Puis Dieu, tout le sens, c'était un extraterrestre. Puis Marie, c'en était un autre. Puis je ne parlerai pas des antécédents parce que ce n'est pas des beaux antécédents au point de départ. Mais avec le temps, avec les années, à force d'être des divinités, ils se sont améliorés, ils ont payé leurs dettes. Puis ils sont devenus des bonnes divinités. Mais au point de départ, c'était pas des êtres bons. Il faut le dire, c'était pas des êtres bons. Puis Christ, dans sa crucifixion, bien, il a payé aussi beaucoup. Il a fait des belles choses. Puis ça fait longtemps qu'il existe, le Christ, des millions d'années. Mais moi, après, ils m'ont mis dans un système, d'abord quand ils m'ont amené, à peu près 20 fois la vitesse de la lumière. Tout ce que je voyais, j'étais dans le vaisseau, je voyais comme des lumières devant moi qui bougeaient. Puis, ils m'ont amené à peut-être 20 millions d'années-lumière plus loin sur une planète. TK, puis un autre, je ne me souviens pas du nom. Planète de torture, parce qu'il faut payer. Pour les chirurgies, donc ça se paye en torture. Puis aussi, pour aller vivre là. Brancher partout, je sais pas le mettre. Brancher là. Brancher dans la prise de comptoir. Prise de comptoir. Où? Regarde là. Il y a deux prises que je prends. L'autre, il y en a juste une. Alors, il y a prise du poids. Alors, moi, il ne connaît pas d'autre affaire où je prends rien. Non, ça va. Bah, ok. Donc, c'est ça. Donc, je suis revenu après.
Puis après. Mudo. Puis après. Là, là. Puis après, j'avais pas commencé à vivre encore ici. J'ai eu une intercation avec quelqu'un, puis finalement, elle s'est fait ramasser par la police. Je me suis ramassé à l'hôpital après. Ben, bon. Évidemment, avec les drogues qu'ils me donnent, je suis plus la même personne parce que le cerveau est complètement gelé. On pourrait dire que c'est une drogue pour. Comparable à un éléphant, on pourrait dire. Je prenais même pas 2,5 olanzapine, puis c'était au besoin, mais là j'en ai en injection 25 dans un bras, puis après ça l'autre bras, aux semaines. Peut-être plus tard, ça sera plus étiré. Puis en plus, on me donne par la bouche, on m'a commencé 10 mg, puis après 5. Puis là, on m'a dit, bon, ben là, je pars devant un juge pour la balance. Pour être m'obliger de prendre cette drogue-là, c'est-à-dire, on n'a pas quel temps pas me choper. Donc, je ne peux plus servir la société comme avant, parce que je suis drogué. Donc, on va rester tranquille chez nous, puis il va y avoir moins de vidéos, probablement. Alors, je m'excuse auprès de mon auditoire que je vais me retirer tranquillement parce qu'ils m'ont drogué. Puis drogué comme ça, je ne peux pas servir la société avec des notions parce que le cerveau est comme tout arrêté. Ça arrête le cerveau carrément. Tellement qu'on pour s'écouter, pour parler, pour savoir ce qu'on pense. Puis ma voix n'est plus la même non plus parce que l'autre voix, je l'avais parce que j'ai perdu mon perroquet, puis je le récupère, puis ma colombe, elle, ils vont l'euthanasier parce qu'il était en mauvaise posture. Il y a des gens qui sont venus chez nous, ils ont fait la partout, il y a du courrier qui a été volé. C'était un dégât dans la maison quand je suis arrivé. Puis c'est pas clean encore complètement. J'ai fait du ménage, mais c'est pas parfait. Alors, je souhaite une joyeuse Saint-Jean-Baptiste à tout le monde pour la Saint-Jean-Baptiste, la fête des Québécois. Le 24 juin. Et puis, aujourd'hui, c'était la fête d'Edwin, le père original de Jane, Jean, puis qui est devenu Louise Legault, parce qu'elle-même a fait chirurgie par elle-même. N'oubliez pas ça. Moi, non, moi, j'étais voir un chirurgien, Dr. Pierre Brassard, pour faire enlever une partie qu'elle avait oubliée sous la vue, sur le long, le sexe masculin. Donc, ça s'est enlevé, mais après, ça s'est tout refait par mon énergie extraterrestre comme une veuve normale. Puis j'ai comme un kéto dans mon vagin. Mais là, je sens plus rien. Faut être